Salut à tous, donc c'est reparti pour une vidéo de Zelda. Et allez, donc on était à l'avance. Bon, il va me répéter toutes ces conneries là, bon, on s'en fout. Donc là, pour passer très vite les dialogues, vous avez remarqué que j'y arrive pas mal. Faut appuyer sur. Faut faire AB, AB, AB très vite. Non, voilà. En fait, je vous l'ai dit, c'est très simple l'avance, mais entre la map qui lag et moi qui m'énerve pour rien. Enfin, c'est simple dans l'aventure là. Après, si vous laissez en platine et tout, c'est chaud. Hein. Très chaud. Le problème, c'est qu'il faut tenir le rythme, quoi. Et pas juste taper sur les bonnes touches au bon moment. Vous avez vu ça? J'ai même pas eu le temps d'appuyer, quoi. C'est dingue, hein. Là j'ai fait pareil. Hein. Putain, une erreur. Une erreur sur 8. Je suis un boss. Alors, je me la pète un peu trop, mais franchement, là, je suis trop content. Là. Ah bah, franchement. Je crois que j'étais nul, bah, finalement. Voilà, donc là, vous avez compris qu'on peut passer derrière la cascade. Utiliser la claire, je sais plus lequel faut faire en premier. Je me rappelle qu'il faut en faire un. Ne pas aller jusqu'au bout. Continuer par l'autre et reprendre l'autre. Bon, je sais, c'est pas très. Ça vous aide pas trop à comprendre comment je dis ça, mais. En fait, vous voulez, bon, par exemple, je crois que c'est le. Ouais, c'est ça. Commencez par le présent. Aller jusqu'à un certain point. Puis faire le. Le passé en entier. Et revenir faire. Terminer par le présent. Enfin bon, je cherche pas à comprendre, j'explique ça comme une merde. Alors. Voilà. Alors eux, ils sont marrants, vous allez voir comment on les bat. Il faut utiliser. C'est des bougies, hein, vous avez remarqué. Il faut utiliser ça. Et là, ils vont courir partout, ils vont exploser. Putain. Moi, ce que j'adore faire, c'est les faire tous cramer à la fois. Comme ça fout encore plus le bordel. Voilà. C'est ça que j'ai le boomerang maintenant. Faut trop le bon arbre là. Ok. Putain, j'ai vraiment la poisse, hein. Je trouve le bon à chaque fois en dernier quoi. Merde. Je me bourrais. Bon, vous avez vu ça la poisse que j'ai quoi. En plus on peut pas trop deviner, il y a peut-être un truc qui nous aide mais. Oui voilà, en fait fallait bien commencer par le. Fallait pas commencer par le passé je crois en fait. Ouais. Parce que là si vous voulez on peut pas rentrer là-dedans. Voilà, on se noie. Il faut le. L'objet du donjon et on l'a dans l'autre donjon en fait, enfin dans l'autre époque. Enfin, moi je trouve ça bien trouvé, un donjon dans les deux époques en même temps. Bon, en fait j'ai fait dans le bon ordre donc voilà, là faut retourner dans le présent maintenant pour avoir l'objet. Donc ça c'est un donjon que je vous ai dit que j'aime pas trop, enfin ça va encore hein. Ça passe encore. Le donjon d'après je l'aime encore moins. Par contre, le dernier, je l'adore. Parce qu'en fait, ce donjon, il est à moitié dans l'eau. Le septième,
Il est complètement dans l'eau. On est dans l'eau pendant tout le donjon quasiment. Il est très dur quoi, il est vraiment très dur le 7ème parce que faut enlever l'eau, la remettre et tout, enfin on se perd très facilement quoi. Alors j'espère que ça va pas arriver. Je vais pas trop me perdre. Ça tombe bien, j'avais plus de vie. Ça lui donne pas de cœur. Salaud. Le 8ème donjon, je l'adore parce que j'aime bien les énigmes. Elle est fun quoi. J'ai pas trop de raisons pour l'aimer. Je l'aime, c'est tout. Bon, l'amour, ça s'explique. Ça s'explique pas, hein, qu'est-ce que vous voulez. Non, j'ai con. Bon. Voilà. Alors là, vous allez voir l'énigme très sympa. On peut les tuer, vous allez voir comment. Là, je peux pas les atteindre, donc. Enfin, je peux, mais. Je peux aussi. C'est pas obligatoire, mais je vous rappelle que les grains de parfum, je sais pas si vous rappelez, permettent d'attirer les ennemis. Donc, ils foncent vers nous. Et ils tombent. C'est assez marrant. Ils auraient dû inventer des jumelles pour regarder les cadavres des ennemis exploser au fond des trous. Je plaisante, hein. Je suis pas un sadique. J'arrive presque plus à passer deux trous. Bon, je vais arrêter d'essayer parce que je perds du temps pour rien. Bon, ce que je voulais faire, c'est savoir s'il n'y a pas une. Je vais faire la méthode Alcatraz là. Non, ok. Il n'y a pas de bombe. Enfin, de mur à bomber. Enfin, à exploser. Quoi. Vous avez compris. Oh putain, j'ai de la chance, ça a pas bugué. J'ai changé sans faire exprès. Ça bug pas à chaque fois en fait, si on fait plein de fois, moins plus, enfin... Au bas, au bas. Obama. On vient ici, toi. Vous avez vu comment la résistance qu'il a? Une attaque cyclone avec l'épée niveau 2, il est pas mort. Merde, j'ai fait le con. J'avais pas détruire ceux du milieu. Ah mais attendez, quoique... Non, ouais, on peut pas. Parce qu'on repart. Ok. Donc là, vous avez compris comment ça marche. La canne de Somaria. Je vous dis, on la réutilise plus trop, la canne de Somaria, c'est dommage. Voilà, hop. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut retourner dans le... Qu'il faut retourner dans l'autre époque pour continuer le donjon. Il fallait absolument faire le passé avant parce que sinon... si on n'avait pas allumé toutes les torches là tout à l'heure pour bouger le mur... Bah le mur ne serait pas bougé là à l'époque. Enfin au présent le mur sera encore là. Donc du coup, on va réutiliser le truc, je vais essayer de pas me payer un arbre cette fois. C'est bon. Voilà, suivant. Alors là vous voyez on peut toujours pas plonger. Hein. Il faut l'objet de donjon. On utilise l'autre clé. Vous avez vu? Merde.
Vu comme c'est un donjon qui est à la fois dans le passé et le présent, là voilà, c'est un peu ruiné. C'est sympa d'art tout ça. Ça sert à rien, mais c'est fun. Par exemple, là, le mur il est explosé parce qu'on l'a déjà explosé dans le passé. Vous voyez, c'est bien foutu. Hein. Alors. Ah, t'as cru que j'allais toucher l'autre. Hein. Merde. Putain, les salauds. Putain, il nous fonce dessus, hein. Kamikaze. Voilà. Ok, j'ai pas la clé. Donc là, pour les gros trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs. Ça doit avoir des noms. Hein. Parce que tout, en fait, tous les monstres de Zelda, Mario, enfin de Nintendo, ils ont des noms. Hein. Mais j'ai jamais su comment les gens font pour connaître leurs noms. Faudra m'expliquer quand même. Parce que c'est pas marqué. Bon, les Moblins et tout, c'est marqué ça. Moblin, Like-Like et. Comment? Et les Optoroks, c'est marqué. C'est marqué dans différents trucs. Par exemple, là pour les anneaux, c'est marqué. Parce qu'il y a des anneaux qui permettent de se transformer en Optoroks, Moblins ou Like-Like. Donc c'est marqué leur nom. Mais par exemple, les noms des boss. Faudra expliquer comment vous connaissez le nom des boss, quoi. Moi j'ai une chose complète, je vous l'ai dit, enfin j'utilise pas pour le Wuxu pour l'instant. J'utiliserai pour la grotte des. Où il y a tout le nom des boss. Alors peut-être que c'est Nintendo qui les a donnés, je sais pas. Attention. Je me perds déjà au donjon 6, donc à mon avis, ça va chier au donjon. Ouais, en plus, là on a de la merde, je me rappelle. Ouais, là t'es sûr. Donc, vous voyez, je me suis déjà perdu. Putain, il est chaud ce donjon, hein. Mine de rien. Putain, le con. Au moins je me gratte. Putain, putain, putain. J'aurais pas dû essayer de les battre. Bon bah comme ça me ramène au début du donjon. Ah mais c'est ma première mort. Ah bah ouais, c'est ma première mort. Ah, vous avez vu, elle a mis plus de temps que dans Seasons, bizarrement. Alors pourtant Seasons c'est 3 fois plus simple, mais c'est pas grave. Enfin je suis gentil, hein. 3 fois plus simple c'est beaucoup plus que 3 fois. Hein. Ah oui, alors là, c'est assez tordu ce truc, je me rappelle. En fait, on peut pas encore utiliser les. Essayez pas de sauter et d'inverser le truc, ça marche pas. Hein. Parce que quand on saute, bon, je vous montre comme un con, mais voilà, on peut pas utiliser le grappin. Hein. Faut donc passer par l'autre côté. Voilà. Et là, vous voyez qu'il n'y a qu'un étage. Merde, je croyais que j'avais l'épée. Je regarde jamais le haut de mon écran, donc du coup. Ah. J'en ai esquivé un et je fais tuer l'autre en plus. Merde, ça marche pas ça. Je me demande s'ils peuvent se prendre leur propre rayon, mais ça m'étonnerait. Putain, j'ai. On s'en fout, pourquoi je m'emmerde à faire ça, en fait. C'est simple, on utilise le lance-graine en diagonale, voilà. Merde, je suis quand même un boulet, voilà. Donc là faut réussir à mémoriser la position du truc, enfin la position des dalles, parce qu'il y a des dalles qui restent quoi qu'il arrive, voilà. Là par exemple c'est bon, et voilà, oups. Thank you.
Casse-toi, toi. Pas de problème. Alors, je sais pas s'il y a un truc en haut là. Voilà. En ce moment, mes vidéos, décidément, je trouve rien à dire. Bon, l'essentiel, c'est que je monte le jeu, mais bon. S'il n'y a pas d'animation, c'est pas drôle. Alors. En plus, je viens de bouffer, donc je peux pas rebouffer. Là. Voilà. Et là, bonne chance. Il faut mettre les 3 cubes. Donc vous avez vu qu'il faut terminer par le bleu, hein, sinon ça marche pas. Parce que si on commence par le bleu, c'est foutu, après on peut plus le bouger. Voilà. Non. Et enfin... Quel connard je fais. Moi, je croyais qu'il y avait le bleu de l'autre côté. Bon, c'est dommage, j'ai fait de la merde. Moi. J'étais bien parti. Voilà. Mais... Je suis en train de refaire exactement pareil que tout à l'heure, j'ai pas envie de pas refaire la même connerie. Voilà. Bleu, rouge, bleu, voilà. Et on obtient une clé. Voilà. Donc on va pouvoir ouvrir le truc de tout à l'heure. De toute façon, on va bientôt se quitter là. Ah mais je me pose une question là, est-ce qu'on pourrait pas... Ça doit être chaud mais c'est faisable à mon avis. Attention, je tente. Oh putain, oh, oh. Ah là, je suis trop content là. Ah génial. Voilà. Ensuite... Les boulets. Bon. Ah ben voilà, là justement, on est obligé d'utiliser. Vous voyez, impossible de les toucher sans faire ça. Voilà. Parce que les graines parfum, à part dans ces énigmes de ce donjon, elles servent strictement à rien. Enfin si, avec lance-graines, mais les graines parfum comme ça, toutes seules, pour attirer les ennemis, ça sert à rien. Donc on a deux clés. Deux clefs. Oui, deux clefs, parce que ça se crée avec un F, en fait. Enfin, ça dépend. Et oui, alors là, je fais un quiz. Enfin, c'est pas un quiz, je vous donne la réponse, mais... Le saviez-vous que clé ça a deux orthographes. Là on peut écrire CLEF ou CLEF sans accent quoi. Aigu. Enfin l'accent dans le sens du d'une apostrophe quoi. Enfin en fait pas chier, on s'en fout. Alors. Je sais pas, qu'est-ce que je fous encore là. Il vaut mieux que je quitte la vidéo, donc c'est ce que je vais faire. Et on se retrouve eh ben à la prochaine. Et je pense que je serai plus motivé, parce que là, les trois dernières vidéos que vous avez vues, je les ai enregistrées à la suite, c'est pour ça que je suis pas motivé dans les trois. Quoi. Mais là, je pense que ça va être un truc de taré les autres. Je jure sur mon honneur que... Je ferai plus de vidéos quand je suis en forme. Allez, salut.